Vous êtes bien sur SFL. Bonjour Jeanne, comment ça va? Mais bien. Bon. Toi aussi? Ouais, ça va, ça va. Je suis là pour, pour être journaliste. Super fréquent. J'ai décidé que j'étais Laurent Boyer aujourd'hui. Donc je ferai fréquent ça avec toi. J'adore. Bah ouais, et puis surtout avec toi, c'est chouette. On se disait que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc c'est chouette de se voir. Moins de 10 ans, mais plus de 5 ans, je pense. Ouais. Assez longtemps. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur scène avec Benjamin Biolay. Tu faisais Brand Rhapsody. Notre vieux tube. Le ouais. Tube que j'adore en même temps. Donc, bon, alors dis-moi, tu peux me dire ton enfance, si tu faisais de la musique, c'était... T'avais une envie particulière de faire ça ou... Étant petite? Ouais, toute petite. Non, étant enfant, j'avais pas spécialement de... Je fantasmais pas sur le fait d'être musicienne. C'est venu un peu plus tard, c'est venu à l'adolescence. Toi, tu faisais de la danse, c'est ça? Ouais, c'était vraiment ça mon truc. Je faisais de la danse classique et j'en faisais beaucoup dans la semaine. Enfin, c'était vraiment mon rêve de devenir petit rat, tu vois, ça s'est pas fait. Et j'ai commencé à faire du piano de manière complètement libre et... autodidacte. Enfin, ce qui m'intéressait. Ouais, ce qui m'intéressait dans le fait de jouer du piano, c'était de m'accompagner pour reprendre les Beatles, pour reprendre Starmania. Pour chanter. C'est ça qu'on aime faire. Bah, évidemment. C'est pas pour faire le anon. La méthode verte. Donc, du coup, t'as commencé le piano un peu plus tard. Alors, Ouais, vers 12-13 ans. Et tout de suite, t'as écrit des chansons? J'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais à la fac. Tu vois, ma fac de philo à Nantes. Et j'ai eu l'impression que c'était ça qui m'attirait, tu vois. J'avais fantasmé un soir sur un chanteur que j'avais vu en scène ouverte dans un tout petit lieu nantais. Qui était connu? TNT. Non, pas du tout. Et je ne sais même plus comment il s'appelait. Mais il m'avait vachement touchée. Enfin, je m'étais dit, c'est fou. Enfin, je l'avais vu de très, très près. Et j'avais pris en pleine poire le fait qu'il interprétait ses propres textes, ses propres chansons. Et, et en rentrant chez moi, le soir, j'avais écrit une chanson. Et je me suis dit, waouh, mais c'est super de s'exprimer comme ça. Enfin, et t'avais quel âge? Oh, bah, j'avais 18-19 ans, je pense. Ouais. Et il y avait une volonté particulière d'être reconnue, connue ou pas du tout? Tu t'en foutais complètement de ça? C'était plutôt t'exprimer, c'était... Bah, moi, ce qui m'intéressait quand même, ce qui m'attirait, c'était de jouer devant des gens. Ouais, quand même. J'avais déjà le feu sous les pieds. Toi, ce que t'aimais, c'était la scène, quoi, en fait. Bah, je crois, ouais. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à en faire, ça a été mon objectif, quoi, de faire de la scène. Ouais, non, mais c'est bien, parce que parfois, on peut aussi aimer le studio, former les chansons, etc. Et puis la scène, après, comme François Hardy, quoi, que ce soit une catastrophe. Mais toi, c'était vraiment ça. Il y a des gens pour qui c'est une torture. Faire de la scène, c'est un peu contre nature, tu vois, de se retrouver seul devant des gens qui ont payé pour te voir. Enfin, quand ils pensent, c'est un peu vertigineux, quoi. Ouais. Mais quand il y a goûté, tu peux plus t'en passer. Ah bah ça, j'imagine. Ouais. Et là, c'est pas trop dur, justement, en ce moment? Bah, j'ai mes problèmes, j'ai ma pudeur, comme dirait l'autre. Effectivement, moi, j'ai commencé ma tournée, la tournée de ce disque, L'An 40, en novembre 2019. Donc, tu vois, on a tourné jusqu'en mars. C'était super. Et puis... D'un seul coup, bam, ça s'est arrêté. Et puis voilà, ça fait quasiment un an... Là, ouais, j'avais pas mal de concerts en janvier, donc c'est vrai qu'on est... Ce qui est difficile, en fait, c'est de se sentir en suspens, tu vois, de pas savoir, de vue sur ce qui nous attend. Et moi, j'arrive pas tellement à passer à autre chose, quoi. Je suis encore dans le répertoire de L'An 40 avec le sentiment d'avoir pas été au bout de l'histoire, quoi. Parce que, en plus, tu tournes beaucoup, tu fais énormément de concerts, toi. Bah ouais, j'adore ça. J'ai cette chance-là de pouvoir... pas mal tourné à chaque disque, donc c'est très frustrant. Ah ouais, ça j'imagine. Et quand Marc m'a proposé de faire ce concert inédit, tous les deux, vraiment, j'ai eu l'impression que c'était une fenêtre qui s'ouvrait, quoi. Bah, c'est un peu une résistance. C'est cool, quoi, de pouvoir faire ça. C'est un peu la résistance de se dire, on a le droit quand même de s'exprimer en musique, quoi. Il faut le faire. Je l'ai vachement fait pendant le premier confinement, tu vois, je faisais des concerts sur mon Instagram un peu toutes les semaines. Et là, j'ai
un peu perdu la niaque pour faire ça. C'est quand même une discipline. Tous les soirs, tu le faisais? Non, j'en faisais un par semaine un et par semaine. J'ai fait un album par concert. Tu vois, ah, donc ouais. C'est, à chaque fois, ça me structurait. C'est beaucoup, en même quand temps, même. Ça, ouais, ça structurait le temps, ça me faisait répéter. C'était vachement bien. Ça m'a aidé à passer ce premier confinement. Mais bon, voilà, on va pas faire ça pendant 4 ans non plus. On va espérer. Sinon, il va falloir changer de métier aussi. Penser à une éventuelle reconversion. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais changer? Bon, moi, je ferais des fromages en Normandie, hein, je pense. Ouais. Radical. Cool, ouais, t'as raison. Tu manges, quoi. Moi aussi, hein, je pense que je ferais des trucs comme ça si on ne devait plus, plus faire. Et pendant là, en ce moment, tu écris autre chose ou tu bosses sur tu prépares les prochains concerts, etc. Ou tu écris d'autres chansons? Bon, elles sont pourries, mais non, c'est pas facile en fait. Ben oui, c'est ça. Tu vois, mais pour en avoir un peu discuté avec des copains et des copines qui sont chanteurs, qui sont musiciens, j'ai l'impression qu'on est un peu tous, sauf ton frère, ouais, qui est productif, ah bah, quoi qu'il arrive. Il fait, lui. Ouais, c'est clair, il est en lui, studio. C'est complètement incroyable, ouais, c'est un brasier ardent, c'est une source vive, ininterrompue. Non, mais ça, de toute façon, ça va revenir. Mais c'est vrai que le genre de période qu'on traverse, c'est pas forcément des périodes qui sont les plus propices à la créativité. Bah non, parce qu'on vit un peu rien, quoi. Bah oui, c'est sûr que les jours se ressemblent. On est un petit peu... on est concentré sur une succession de vie domestique, en fait. Ah, c'est ça, il n'y a pas vraiment Mais on va s'en sortir, évidemment. Oui, évidemment. Et je voulais revenir sur quand tu as commencé à écrire tes premières chansons. À quel moment tu t'es dit, je vais aller faire écouter à une maison de disques ou je vais faire ce métier-là? Parce que t'étais étudiante en philo tu te destinais à quoi? Je voulais enseigner. Quand tu fais de la philo... Bon, après, tu peux tout faire. Hein, tu peux écrire aussi. En fait, j'avais été très marquée par une prof de philo que j'avais en terminale et je voulais un peu être elle, en fait. c'était mon modèle de femme. Donc, j'avais envie d'enseigner la philo et puis j'ai commencé à faire des petits concerts dans ma ville à Nantes. Et ça a été... comme j'étais toute seule, tu vois, je me baladais avec mon piano électrique dans mon AX, donc c'était très très léger comme formule. Donc tu pouvais un peu te produire partout. Bah voilà, très vite j'ai joué beaucoup et un petit peu partout, des premières parties, des tremplins, des machins. Et puis j'ai eu l'occasion de faire les découvertes du Printemps de Bourges, c'est des Inouïs maintenant, mais à l'époque, ça fait quand même une vingtaine d'années, c'était les découvertes régionales de Bourges. Et puis donc c'était en 2001 et ça fait 20 ans, voilà, précisément. Ouais. Et ça a été un déclencheur quand même, parce que j'ai rencontré... mon tourneur et ma maison de disques de l'époque là-bas à Bourges pendant un concert, tu vois, enfin à l'issue d'un concert où je jouais, je pense, à 11h du matin dans une toute petite salle, enfin tu sais, le truc hyper ingrat, et en fait Bourges, il y a tellement du monde tout le temps partout, qu'il y avait Vincent Frambeau qui était là, voilà, et Olivier Pouvel, et ils t'ont suivi tout le temps, c'est génial. C'est là qu'on s'est rencontrés, on a fait un bon bout de chemin ensemble, Et donc il y a ton album après qui est sorti en 2002, c'est ça? Tout de suite après. Premier album live. Et après l'album que j'adore. Et après 12 fois par an, deux ans plus tard. C'est vrai, quand on démarre, t'as dû sentir ça aussi, quand on démarre, on fait des disques hyper rapprochés, on a tellement de trucs à dire tous les deux ans. T'as une envie absolue de produire et puis de recommencer, parce que c'est quand même... moi personnellement, c'est le studio qui est plus, enfin, que j'adore plus que la scène. J'aime bien la scène, mais moi je suis tellement traqueuse que c'est compliqué. Mais le studio, je trouve que c'est merveilleux de voir se créer une chanson. Et c'est vraiment un truc qu'il faudrait développer, tu vois. Je trouve que c'est intéressant de voir comment ça se forme, une chanson. Les gens ne le voient pas, en fait, ça, finalement. Non, c'est sûr, c'est très mystérieux. Ouais. Et puis, il y a tellement de façons d'arriver à une chanson aussi, quoi. Chacun a sa méthode. C'est sûr. Ouais, donc t'as sorti tes albums et là, t'as fait énormément de scènes, finalement. J'ai toujours pas mal tourné, c'est vrai. Hein. Comme j'adore ça, tu vois, c'est une chance. Et quand t'es devenue maman,
tu as réussi à concilier les deux? Ouais, bah oui. Ah. Ouais, bah j'ai eu cette chance de pouvoir tourner déjà pendant ma grossesse. C'était vraiment super. Ouais. J'avais l'impression que j'avais jamais aussi bien chanté. Enfin, je sais pas, il doit y avoir un truc physique. Le diaphragme est hyper bien porté. Ouais. Moi, je sais pas parce que j'ai vomi pendant 9 mois, donc je peux Ah, pas te dire oui, c'est un peu plus, c'est un c'est peu un peu plus plus risqué de compliqué, prendre un micro. disons. Bonjour, non, ça va pas être possible. Donc, ouais, donc t'es Non, mais arrivé c'est à vrai, toi, t'es arrivé ouais, à. j'ai tourné jusqu'à quasiment 8 mois, un peu plus de 8 mois même. Ah ouais, Et carrément. ouais, à la fin, j'y allais un peu à reculons, c'est fatigant quand même hein, quand t'es Ouais, en fin de grossesse. ouais. Et puis, la tournée qui a suivi, ouais, j'ai dû Tu m'arrêter. embarquais? Ouais, voilà. Je me suis arrêtée quelques mois et puis je suis repartie Avec avec le le petit. bébé sur la route. Bah, c'était super parce que, tu vois, en tourbus, avec une nounou que t'embarques dans ton tourbus, une Ah, ça, nounou c'est de chouette, ça. confiance, c'est. Ouais. Bon, c'est une organisation, puis effectivement, c'est pas la tournée la plus reposante de ta vie, quoi, mais c'est inoubliable, et puis c'est une chance, quoi, de Mais pouvoir. t'arrivais à poser ta casquette de maman et monter sur scène et. Ouais, je faisais comme je pouvais, Ouais. mais après, tu restes forcément la même personne, hein, Ouais. Non, mais mais. c'est vraiment un truc qui. Moi, je crois que j'arrive pas à le faire, si tu veux. Ouais, Tu ah vois? ouais. C'est vraiment un truc. Et je trouve ça génial que vous puissiez faire ça. Que tu prennes ton bébé, que tu le poses et tout ça, je trouve ça super, quoi. Ouais, puis C'est. quelque part, ça devient la norme pour un enfant qui. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de chanteurs, de chanteuses qui ont emmené leur. Ouais, Enfin, je sais bien pas, je pense sûr, à il y en a Véronique plein. Sanson, par Ouais. exemple. Elle a beaucoup emmené son fils aussi en tournée quand il était petit. C'est vrai que ça fait partie après d'un. Je sais pas s'ils s'en souviennent vraiment, mais Je c'est. pense que ça doit jouer quand même Ouais, sur la ils sont suite, quoi. habitués à rencontrer beaucoup de personnes. À changer de ville, C'est chouette, non mais c'est super. Et ton enfant, il c'est. fait de la musique? Oh bah il pianote, il gratte, mais Ouais, il a envie il quand est. même. Ouais. Et il chante beaucoup, il chante C'est beaucoup. chouette. Vraiment, c'est hyper bien. Ouais. Et est-ce que dans tes rencontres, dans la musique, il y a quelqu'un qui a été déterminant pour toi, pour créer des chansons, ou t'as pas été. Oh ouais, j'ai fait des rencontres qui m'ont marqué, T'as effectivement. marqué, ouais. Bah, je pense déjà quand j'étais vraiment une jeune chanteuse, je pense à Jacques Higelin, Ouais. qui a été vraiment comme un parrain pour moi, quelqu'un de très, très important. Ouais. Enfin, j'ai adoré l'homme, j'ai adoré l'artiste, puis je le Il t'a pris connaissais. par la main un peu Bah, ou. j'ai fait des premières parties avec lui, Ouais. pour lui, et puis j'ai l'impression de me mettre. Tu vois, nourri en le Ouais. regardant évoluer, quoi, nourri de. C'était un personnage en Ah bah plus, ouais, donc. un personnage tellement libre, quoi. Ouais. Un exemple de liberté. Et c'est chouette qu'il ait été là pour toi comme un mentor, un peu, parce que on s'imagine que ces gens-là, ils sont dans leur bulle et ils restent pas à côté de toi, quoi. Donc ça, c'est génial, je trouve, Ah bah ouais. d'avoir quelqu'un comme ça. Et dans d'autres rencontres, tu as fait d'autres rencontres qui t'ont marqué, des anecdotes que tu as eues Bah, le travail qu'on a fait avec Benjamin, c'est important aussi Ouais, pour moi. Tu vois, on ouais. a écrit pas mal de chansons ensemble, et puis dont ce duo dont on parlait tout à Ouais, l'heure, notre Brant vieux Rhapsody. tube. Ça fait partie d'une série de chansons qu'on a écrites tous les deux. Et Brant Rhapsody, pour moi, c'est un moment de studio complètement fou. Ouais. Vous l'avez écrit chacun de votre côté, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ouais. Sans la mettre en commun, et puis on Ce qui est a. On s'est, complètement dingue, parce bah oui, que. parce que c'est tout à fait chronologique. Enfin, vraiment une histoire pas très gaie, mais. On bat l'histoire de la Mais vie un peu quand même. ouais, Ouais. voilà. Et c'est un moment de grâce pour moi qu'on a Ah ouais. vécu pendant enfin, c'était plutôt nocturne, parce que Benjamin, effectivement, c'est vraiment un oiseau de nuit. Donc c'était des nuits qu'on passait au studio de la Seine. Et cette nuit où on a enregistré Brant Rhapsody, enfin, pour moi, c'est vraiment inoubliable de force et puis d'évidence, enfin, et de facilité, en fait. Il a vraiment un côté comme ça, Benjamin, une espèce de facilité de création. Mais toi aussi. Je sais pas, moi des fois je me trouve un peu laborieuse. Ça dépend. Je suis vraiment pas la bonne juge de moi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est difficile de juger soi-même, mais quand même, enfin, tu écris tout le temps, quoi. Bah, j'aimerais bien écrire plus, tu vois, plus souvent, plus Ouais. régulièrement. Je pense que c'est comme un muscle, hein. C'est Ouais. vraiment l'écriture, il faut l'entretenir.
Et des fois, tu te fais tellement happer par d'autres choses que tu peux mettre ça de côté. Mais j'essaie, dans la mesure du possible, de garder cette hygiène-là, quoi. Ouais. Et tu as écrit un roman? C'est pas un roman, c'est un recueil un recueil. Ouais, c'est un genre de glossaire, un Ouais. recueil de mes mots préférés. D'accord. Et est-ce que c'est un rapport direct avec tes chansons ou rien à voir? C'est une autre démarche, c'est une autre manière d'écrire, t'as vu quelque chose de similaire à l'écriture d'une chanson et l'écriture de ça ou pas du tout? Pour moi, l'écriture de ce livre, elle a été beaucoup plus ludique Ah oui. qu'écrire un album. C'était vraiment une espèce de terrain de jeu, de Ah ouais. récréation. Enfin, je me suis tellement amusée à écrire ce livre. Ouais. C'était C'était un moment drôle en fait, plus que ouais. Et puis en plus, j'avais pas tellement de barrières temporelles, tu vois. C'est un livre que personne n'attend, donc voilà, tu le sors quand il est prêt. Des fois, sur un album, enfin, quand je prépare un disque, je me mets beaucoup plus de, je me discipline beaucoup plus, si tu veux. Elle t'écrivait chaque jour et tout ça ou pas du tout ou c'était Non, comme ça? Ouais. j'écrivais quand ça me venait, quand il y a, tu vois, quand il y avait un mot qui me, je sais pas, le mot foutraque, le mot féministe, le mot ouvrier, enfin, je l'avais en tête, et puis à un moment je me mettais à écrire sur ce mot, sur cette définition. Donc ça a été très ludique à faire. C'est chouette, ça c'est bien. Et l'an 40, donc 40 ans. 40 ans depuis 2 ans. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Ah ouais, je crois. Pour moi, l'année de mes 40 ans, c'est la plus belle année de ma vie, Ah ouais? franchement. Ah ouais, vraiment, c'est dommage, c'est passé. Mais peut-être ce Mais sera plus tard, il y en aura si ça se d'autres. trouve, Toute avoir. la quarantaine Mais sera c'est ça. Mais merveilleuse. non, mais je trouve que c'est une décennie super. T'as déjà 40 ans ou pas? Ouais, Ouais. j'ai le même âge que toi, moi. Ah oui, on est de la même année, Ouais, de 78. 78. Ouais. Et t'as aimé aussi ta Non, quarantaine, rentrer dans ta moi pas quarantaine? tellement, j'ai aimé après, une fois que je m'y étais faite, tu vois. Sur le coup, je me suis dit, merde, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Ouais. Et ça a été un peu bizarre, mais après, finalement, je me dis que c'est bien, on est un peu libéré de plein de choses. Mais ouais. Tu vois, C'est ça que je trouve génial, enfin, en avançant dans l'âge, quoi. Tu te libères un peu du superflu, tu te libères un peu du regard des autres, du fait d'être conforme à ce qu'on attend de toi. Enfin, j'ai l'impression que tu t'en fiches de plus en plus, et ça, Bah, c'est vachement libérateur, ça. je pense que c'est ce qui est, enfin, les 40 ans, ça amène ça, quoi. Ouais. C'est un truc un peu libérateur Tu te connais de mieux en mieux, tu ouais. sais ce que tu veux. Et je trouvais que ça valait le coup D'en d'y parler. consacrer un album et Ah bah ouais, t'as raison, c'est une d'en faire, super. ouais, d'en faire un peu le centre. Enfin, en tout cas, quand j'ai écrit cette chanson, L'an 40, j'ai eu la sensation que mon disque était lancé, quoi. Que ça y est, Oui. j'étais rentrée dans un tunnel d'écriture et que C'était ton thème. c'était. Ouais, Ouais. c'était. Après, tu vois, toutes les chansons ne sont pas vraiment liées Non, non, bien sûr. au fait d'avoir 40 ans, mais elles en ont découlé. Ouais. Ça a été un moment important, quoi. Ouais. C'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un moment important. Ouais. Et ça fait un très bel album en plus. Bah merci. Et du coup, tu as tourné pas mal avec, alors. Un petit peu au début, Bah j'ai quand fait il la est moitié sorti. de ce que je Ah devais faire. Ouais, on a fait une trentaine de concerts à partir de fin 2019, tu vois, ouais. jusqu'à mi-mars. Des concerts en groupe. On est deux pianos, basse, batterie. Donc c'est Ah super. une Deux formation. pianos, Ouais, trop bien. ouais. Ouais, bah ouais, Chouette ça. y a pas du tout de guitare, ni sur l'album, Ouais. ni en live. C'est pas forcément un choix délibéré au départ, mais quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de guitare, je me suis dit, bon, bah ça va rester aussi Ouais. un concept. Mais c'est super comme ça. C'est bien, deux Mais j'aime pianos, bien les c'est. contraintes. J'aime bien, des fois, je trouve que ça rend créatif, le fait de se mettre un cadre. Ouais. Tu évolues dans ce cadre-là, ça. Et quand tu as fait l'album, tu avais déjà une idée de ce qui allait se passer sur scène ou pas forcément? Tu savais que Sur tu voulais. scène, non. Non. J'avais une idée, tu vois, par exemple, sur le disque, il y a du gospel, Ouais. il y a deux batteurs que j'adorais, avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Et ça, je les avais un peu en tête avant de. Même au moment de l'écriture, tu Ouais. vois, une chanson comme Racine d'or, par exemple, Ouais. qui est sur. Ouais. Qui parle du fait d'assumer ses racines, d'avoir une tendresse pour ses racines. J'entendais du gospel, j'avais envie de voix chaude comme ça, enfin, je trouvais que ça allait embellir la sauce, quoi. Et c'est ouais, c'est et du coup, tu as pensé à là, tu quand tu par exemple, là, ce que tu vas faire ce soir, tu t'es mise dans une enfin, vous allez être que tous les deux, du coup, Ouais. donc avec Marc,
Et c'est nouveau pour toi par rapport à ce disque alors, puisque Ah bah ouais, c'est complètement inédit. Ouais. Marc, on se connaît depuis longtemps et on n'a jamais joué ensemble et on s'apprécie beaucoup et je trouve que c'est vraiment un musicien très créatif. Et quand il m'a proposé de faire ce concert, enfin lui, il s'est pas du tout imposé en tant que musicien, tu vois. Il m'invitait à venir faire ce que je voulais. Donc c'est génial. Et t'as choisi de jouer et de chanter plutôt que de danser. Voilà, je lui ai dit, bon, si je vais peut-être faire un concert. Je lui ai proposé de jouer cet album en intégralité. Et puis évidemment, je l'ai invité à me rejoindre sur quelques titres. Je lui ai laissé carte blanche, en fait. Enfin, on en a parlé un peu, je lui ai donné des impressions, des envies que j'avais, et puis lui, il a tricoté avec ça. On a très très peu répété, hein, tu vois, on a répété 1 heure tout à l'heure, mais je trouve ça assez excitant et assez créatif, en fait, comme démarche. Tu vois, c'est chouette, c'est un peu, vous allez faire un concert à la maison, quoi. C'est ouais, un truc, à la maison, inédit et unique. c'est cool. Bien, les gens vont le voir en mangeant. Ils ne seront pas au resto, mais tu vois, non, c'est vachement bien. Je trouve que l'idée est super et c'est chouette de t'avoir en plus, quoi. C'est super. Un très bon appétit. Les gens mangent, hein. T'inquiète. Ils nous regardent, mais ils mangent. On n'entend pas les coups de fourchette et ça, c'est bien. Ouais, ça me rappelle la première scène que j'ai faite. J'étais dans un restaurant sur les Champs. Et je chantais avec... Formule cabaret. Vous allez adorer la formule cabaret. Avec ma voix de Céline Dion. Bah oui. Et j'entendais « Un saumon pour la sainte oh, !» Je dirais « Non, c'est vrai. » Donc là, on va t'épargner ça, c'est cool ou pas? Bah ouais. Donc t'es contente de chanter? Bon, je sais pas. Bah si, je suis super contente. C'est vrai que il y a comme un manque, il y a comme un manque, et je sens l'adrénaline qui monte quand même, tu vois. T'as peur si, un peu, enfin t'as le trac, j'ai un peu le trac. Ah oh, mais c'est bien, je sens que c'est... C'est combien de temps là que t'es pas montée sur scène? Depuis mi-octobre. Ah ouais, ça fait une petite... Fait J'ai eu la chance de tourner un petit peu en octobre quand ça a momentanément repris. Ah vois, oui, t'as pu toi. Distancier, masque. Il y avait un siège sur deux. On aspergeait les gens de gel. Bougez pas. Donc ouais, j'ai fait ça et c'était très ardent, tu vois. C'était vraiment des concerts. Nous, on était hyper heureux d'être là. On sentait qu'en face, le public était aussi hyper chaud. Enfin, j'en garde un super souvenir, même si c'était... Et je pense que les gens, ils se disaient, c'est la dernière fois, là, avant longtemps aussi. Ils avaient l'air d'être super... Il y avait une espèce d'énergie du désespoir. Ah, c'est affreux, en fait. Et tu fais quoi quand tu travailles pas? Enfin, quand tu t'écris pas et que tu composes pas? T'as des choses en particulier ou... Que j'aime faire? Ouais. Sur cette période, je fais des fromages. Je fais des fromages. Je mange de la raclette. Non, je me suis mise à beaucoup lire. Tu vois, autant pendant le premier confinement, je jouais plus et j'étais plus sur des films. Ouais. Et là, je lis beaucoup. Enfin, j'ai vraiment ce réflexe-là. Et puis j'essaie de marcher aussi, je fais pas mal de yoga, j'essaie de faire j'aime bien, je me suis disciplinée. Et du coup quand je le fais pas, ça me manque. Ah ouais, ouais. Tout le monde me dit ça. Tous les jours, mais très très peu, hein, tu vois. Même, mais t'as pas une discipline un peu tous les jours à faire des choses à chaque heure précise et tout ça? Non. Oh non, non, non. Ouais. Oh bah non. Tu fais ça toi? Mais non, bah. Il te manque. Non, moi je fais pas ça, mais j'admire les gens qui font ça, moi. Je trouve ça incroyable de pouvoir se lever et dire bon, là je vais faire ça, ça, ça. Ah non, ils vont flipper, moi, ceux-là. Ben ouais, j'imagine que. Et ton fils, il le vit comment, ça? Il va à l'école. Ouais, en fait, ils s'en rendent pas compte. Pour l'instant, ils vont à l'école. Ouais, ils s'en rendent pas compte, c'est bon. Très bien. On y va? Il va falloir. Ah. Je vous propose le chat. Ah, il y a un chat. D'accord. Alors. Alors, attends, parce que... C'est-à-dire des questions qu'on nous envoie? Il y a des gens. Je prends juste un peu d'eau chaude. Vas-y, vas-y. Et on y va dans combien de temps? Je sais pas, attends, quelle heure? Bah, dans pas longtemps, je pense. Dans 5 minutes. Il est prêt, Marc Choirin? Il est où, Marc Choirin? Marc Choirin, Marc Choirin.
Il n'y a pas du tout. En fait, il n'y a que ma fille qui écrit sur le chat. Iris, tu vois, tu mets les trucs. Mais il n'y a pas de vraies questions, en fait. Bon, bah, on y va. T'es prêt? Bah, allons-y. Bon, bah, bon concert. Ouais, merci. Allez. Je te rends l'iPad.
D'où vient cette lumière au-dessus d'elle? Et ce pas de louve caressante, ces hanches qui roulent facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'an 40. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes, comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'an 40. Elle est un peu cabrie, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire en l'an 40. Quelques années, quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de l'an 40. Voilà, c'était la chanson d'ouverture de ce disque, l'an 40. Dès le deuxième morceau, je vais inviter mon ami Marc Choirin à m'accompagner, s'il est d'accord. C'est un morceau qui s'appelle Fleur de peau. Caché mon corps sous des voilures opaques, je n'ai jamais dû me courber, je n'ai jamais tremblé de peur au son d'un parquet qui craque, jamais dû me planquer, je n'ai jamais connu la guerre ni la morsure du froid, jamais la faim qui ronge les doigts, et pourtant chaque jour je sens monter la pente de son joie. Oh, mais tais-toi. Ma nature n'a pas de repos quand tout sourit, quand tout est beau, j'ai ma tristesse à fleur de peau. Ma nature n'a pas de répit à la faveur de l'insomnie, j'ai ma tristesse à fleur de nuit. La mer pour quitter mon pays, je n'ai jamais risqué ma vie, je n'ai jamais frôlé la mort au hasard de la folie, jamais voulu l'oubli, je n'ai jamais serré la main menottée de la loi, jamais perdu, brisé ma voix, et pourtant chaque jour je sens monter la plainte sans joie. Oh, mais tais-toi. Ma nature n'a pas de regret.
tristesse à fleur de nuit. Juste un petit gorgeon de c'est de la vodka hein, que j'ai réchauffé au feu de bois tout à l'heure. Attends, je check juste le. Tu peux regarder s'il te plaît juste sur le derrière comment ça s'appelle la tracklist. Normalement c'est le feu aux joues. Voilà, j'étais plus très sûre. Ça fait très pro. Le feu aux joues donc. Moi, je suis un peu tremblotante de jouer parce que, c'est, comme on disait avec Coralie tout à l'heure, j'ai pas fait de concert depuis quelques mois maintenant, et j'ai une adrénaline qui monte et je vois bien hein, qu'il y a pas de public. Je suis pas débile, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose de vivant qui se passe et ça me fait hyper plaisir. J'habite mon corps de petite fille, fines attaches de brindilles, coudes et genoux griffés sérieux. Cheveux mouillés à la piscine, planche à dessin sur la poitrine, boutons de nacre mystérieux. Le feu aux joues qui monte, qui monte, qui vient toujours avec la honte, qui vient toujours sans prévenir. Et la colère qui cogne, qui cogne, colère d'enfant qui tourbillonne et s'évapore en un sourire. C'est ce corps que tu tiens dans tes bras, c'est ton corps et encore ce corps-là. Ce même corps que tu serres contre toi, c'est ton corps et encore ce corps-là. J'habite mon corps d'adolescente, timide grâce, encore naissante, frange trop longue pour les yeux. Porte forcée de ma cabane, voiture bélier sur mon dos d'âne, bouton de nacre douloureux. Le feu aux joues qui monte. Qui monte, qui vient toujours après la honte, qui vient toujours dans ces cas-là. Et la colère qui cogne, saine colère de ma personne, quand je repense à ce temps-là.
Et ce corps que tu tiens dans tes bras, c'est encore et encore ce corps-là. Ce même corps que tu serres contre toi, c'est encore et encore et encore ce corps-là. Qu'est-ce que je kiffe ce piano, c'est la folie. Donc c'est un piano Pleyel, on peut le dire, hein. C'est tellement vieux ce mot Pleyel qu'on peut en parler. Et Marc, je suis amoureuse de ton piano, voilà, c'est dit. Je le voudrais sur tous mes concerts. Ah, je ne sais pas si vous entendez, il y a eu une sirène de pompiers. Voilà, ça valait le coup d'en parler. Une chanson que j'ai écrite à un moment où je me disais je ne suis pas du tout faite pour vivre à Paris, je ne suis pas du tout adaptée. Et j'ai commencé à vivre à Paris il y a une vingtaine d'années. J'adore ça, mais je viens de me barrer. Donc c'est une chanson qui s'appelle « Fausse parisienne ». Fausse parisienne. Je démarre un peu dans le vide comme ça, mais on va voir. Fausse parisienne, exilée de ta plaine, que fais-tu donc ici? Cette ville te malmène et te fout la migraine, toi l'enfant du pays. Non, merde, je vais recommencer. C'est parce que j'avais la sirène dans l'oreille. Fausse parisienne, exilée de ta plaine, que fais-tu donc ici? Cette ville te malmène et te fout la migraine, toi l'enfant du pays. Loin des garennes, dans les voies souterraines, le jour comme la nuit. Tu manques d'oxygène, on te pousse, on te gêne, on te fait peur aussi. Fausse, fausse, fausse parisienne. Fausse, fausse. Fausse parisienne, tu as bien de la peine à quitter ton réduit pour te jeter dans l'arène des dîners de la reine, des galas, des parties. Avoue, vilaine, c'est de la boue qui traîne sur tes habits jolis. T'as jamais la moyenne ni la bonne dégaine et déjà tu rougis. Fausse, fausse, fausse parisienne. Fausse, fausse, fausse parisienne. Fausse, fausse, fausse parisienne. Fausse, fausse. Parisienne, voilà que tu promènes un visage ébloui sur les bords de la Seine, comme si chaque semaine tu découvrais Paris. Quoi qu'il advienne, naïve des fontaines, reste toujours ainsi. Exilée de ta plaine, pas tout à fait urbaine, pas tout à fait d'ici. Fausse parisienne. Fausse, fausse.
fausse, fausse parisienne. Fausse, fausse, fausse parisienne. Fausse, fausse, fausse parisienne. Tiens, un nouvel instrument. Donc là, nous sommes en présence d'un Celesta. C'est très vieux. 1886, me souffle Marc Choirin. Autant dire, nos ancêtres. On est dans la préhistoire du piano. On y va ? Rosé doré même l'hiver, juste à côté du château de ma mère. Les ronds s'envahissent la mare et les batraciens goguenards viennent nourrir nos plus beaux cauchemars. On y vole, on y court, on y fait des tours et des tours. On voudrait en partir, on s'ennuie un peu. On est là, on attend, planté sur nos cannes de 8 ans. Cheveux et bras offerts aux 4 vents. Oh, racine d'or, je me souviens de vous. Les cailloux, les trésors et les jambes tatouées debout. Oh, racine d'or, je me souviens de tout. Combien d'années encore me ferez-vous tenir debout? Une mélancolie de l'être, un garde-fou posé par mes ancêtres. Une rigueur toute paysanne, une tendresse pour les ânes et les esprits flottant dans les cabanes. J'y reviens, j'en repars, qu'il est doux d'être de quelque part. J'en repars, j'y reviens. Et les ronces me griffent les mains. Tant d'hiver, de printemps, plantés sur mes cannes à plein temps. Tandis que monte la colère du vent. Oh, racine d'or, je me souviens de vous. Les cailloux, les trésors et les jambes tatouées debout. Je me souviens de tout. Combien de siècles encore nous ferez-vous tenir debout? Racine d'or, racine d'or, racine d'or. Racine d'or, racine d'or, racine d'or, racine d'or, racine d'or, racine d'or, racine d'or.
Le ciel est rouge et l'air est doux. La terre est meuble sous mes pieds, comme si on l'avait retournée pour enterrer quelqu'un dessous. La nuit qui tombe au ralenti sur les blondes allées du parc trace autour de moi comme un arc, mais je ne bougerai pas d'ici. Je pense à toi dans ce décor. Le bac à sable est presque noir. Ton souvenir me prend ce soir. Tu m'apparais, je suis d'accord. Tes yeux de chlore et de corail, brillant comme des puits d'hébétude, tes fous rires hantés d'inquiétude, ta joie tel un train qui déraille. Tu étais comme un vieil enfant caché dans une enveloppe adulte, marqué par le fer de l'insulte des autres enfants de ton temps. Oncle béni parmi les anges, auréolé d'un front trop large. Ô toile saint, ô toile barge, ô toile parrain de mes langes. Le ciel est rouge et l'air est doux. La terre est meuble sous mes pieds, comme si on l'avait retournée pour enterrer quelqu'un dessous. Tu vois ce banc où je me tiens, les mains posées sur les genoux, à cheval entre chien et loup. Ce banc pourrait être le tien. Et dans ta caverne sans porte, fuyant le poids de la famille, tu récitais des litanies. Moi j'attendais que tu ressortes. Oncle béni qu'on ne voit plus jamais assis auprès de nous. Toile saint, ô toile fou, ô toile parrain disparu. Sous mes pieds, comme si on l'avait retourné pour enterrer quelqu'un dessous. Je vais faire une chanson qui s'appelle César maintenant. Et c'est bête, j'ai pas essayé tout à l'heure parce que j'aime bien jouer un petit peu dans les cordes. J'essaye juste si ça. Bon, on verra bien. Hein. C'est intense. Alors, César, comment présenter cette chanson? On est vraiment sur la fin de la phase B là, on approche du dénouement. Bah, c'est une chanson de. Rien ne me vient. J'aurais aimé dire quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Mais quand rien ne vient, autant la fermer.
Alors, je vais la jouer plutôt. La voix, c'est vraiment un muscle. Hein. Si tu le travailles pas, eh ben, ça se démuscle, ça devient mou. J'espère que ma voix n'est pas trop molle à l'écoute. C'est le grand instant du grand réveil, le début, tout nu dans le soleil. Je te porte comme un monde et toi tu choisis la seconde qui te fera devenir quelqu'un. C'est le grand dénouement pour nos corps, mais on dirait que je te garde encore. Si le travail est trop dur, il faut seconder la nature, il faut ouvrir un pan de ma peau. Il faut ouvrir un pan de ma peau. Ces araignées dans l'interstice, il a laissé une cicatrice au bas de mon parchemin. Il a signé sa toile quand il est né, le divin enfant, c'est la ligne de sa main. J'aurais-t-on voulu être de celle d'où jaillit la vie universelle? Sexe comme une bouche immense, assez de force, assez de transe, assez d'eau pour faire venir quelqu'un. Mais déjà, tu respires avec moi, couché nu, mon empereur, mon roi. En laissant couler mes larmes, je remercie la petite lame qui t'a ouvert un pan de ma peau. Qui t'a ouvert un pan de ma peau. Ces araignées dans l'interstice, il a laissé une cicatrice au bas de mon parchemin. Il a signé sa toile quand il est né, le divin enfant, c'est la ligne de sa main. S'il a laissé une cicatrice au bas de mon parchemin. C'est affreux, j'ai la voix complètement cassée. C'est comme ça, c'est vivant. Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai trop téléphoné aujourd'hui. J'aime pas tellement téléphoner. Oh, c'est horrible! Je m'entends et je vois que j'ai la voix cassée. Bon, il reste deux chansons. Est-ce que ça va tenir pour deux chansons? Et vraiment, les jours de concert, je suis super disciplinée normalement. Je téléphone très peu. J'essaie de pas parler trop. Surtout pas parler dans le train, par exemple, des trucs comme ça.
Et là, j'ai complètement déconné aujourd'hui. Je vais faire quelques gargarismes. C'est pas très glamour, mais peut-être ça va débloquer cette corde coincée. Je suis vraiment désolée. J'espère que j'ai pas rayé ton parquet avec mes talons. Il était rayé d'avance ? Bon. C'est ça met des talons de 12 et puis après ça détruit tout. Une belle résonance de ma toux. Alors sur les deux dernières chansons, Marc, tu vas m'accompagner. J'espère que t'es dans le champ. Bah oui, on te voit là. Ouais. Ça m'embête pour ma voix. C'est comme ça. Ah, j'entends du miel qui arrive. Oh, c'est trop sympa. En plus, il y a une petite étiquette verte AB. Merci. Merci beaucoup. Hein. Hyper cool. Oh, j'ai remis dans le pot. C'est carrément pas Covid. Désolée. En plus, la dernière chanson, c'est vraiment la plus chaude vocalement. Je sais pas si ça... Je disais à Coralie tout à l'heure, j'aime bien les contraintes. Voilà, là j'ai une contrainte. Je veux être un champ de blé battu par l'orage, ébouriffé par le vent, chauffé par les pierres, cuisant au soleil brûlant. Je te veux comme un vol d'hirondelle, libre et sans autre chemin que celui que trace tes ailes, indifférent au courant. Je veux être un courant d'air soufflé sur ta peau, voilé d'un parfum de pluie, d'averse éphémère avant la tombée de nos nuits. Je te veux comme un glacier millénaire, tranquille et transparent à l'opacité passagère. Quand tu te troubles un moment, je veux être une rivière roulée de cailloux qui dévalerait la terre à un rythme fou sans jamais regarder. Je te veux comme un arbre des îles, puissant, insolite et beau. Et dans ton écorce fragile, je graverai ces quelques mots. Je veux être un champ de blé battu par l'orage. Je veux être un champ de blé.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce concert. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de jouer. Et merci en particulier à toi, Marc, pour ton accueil et ton appartement qui ressemble vraiment plus à un appartement. Hein, ça ne ressemble plus à rien. Et ben, je vais essayer de chanter cette dernière chanson. Une chanson pour Jacques Higelin. N'était que chaleur, ombre et lumière en ce matin d'avril marqué par ton départ. Une scène à ta grandeur, belle et païenne à ta splendeur, à ta mémoire. Comme un jardin d'été en plein cœur de la ville, le sol était couvert de longues fleurs des champs, tel un bouquet vibrant. Assis en rond tout autour, nous t'attendions pour te parler d'amour. On s'est levé, tu es entré. Un adieu qui nous relie encore un peu, qui te rapproche de ceux qui t'aiment, mais un adieu quand même, un adieu, un adieu, un adieu. Nous étions tous unis sous ton étoile pour te dire, te chanter, pour te rire, te pleurer. Depuis le cirque d'hiver ont retenti tous les sons de la terre à ta mémoire. Le moment le plus beau, tu t'élevas du sol et tous les tournesols ont ouvert leur cœur en cadeau. Tu as tourné, tourné, ensemble on a crié notre joie dans la douleur pour mieux te laisser t'en aller. Un adieu, un adieu, un adieu qui nous approche de ceux qui t'aiment, mais un adieu quand même, un adieu, un adieu, un adieu qui te retient encore un peu. On se regarde avec tes yeux, un adieu comme emblème, un adieu, un adieu, un adieu. Je te souris encore un peu et me rapproche de ceux qui t'aiment. C'est un adieu bohème, un adieu, un adieu, un adieu. Je te regarde encore un peu, fais que je garde au fond des yeux ton adieu comme emblème, un adieu. Thank you.
beaucoup. Non, pas encore. Mais merci à tous. Ah oui, il faut couper.